Et bonjour à tous, c'est Logan pour Logan.fr. Aujourd'hui, on va parler de différentes petites choses. La première, c'est l'actualité People du jour. C'est Monsieur Dream qui a acheté un MacBook Pro en 2.5. On ne lui dira pas, bien entendu, qu'un MacBook en 2.4 était bien plus puissant et que pour la différence de 300 euros, il aurait pu s'acheter un écran 24 pouces. Bref. La seconde nouvelle consiste à vous annoncer, si vous ne le saviez pas déjà, que vous pouvez ajouter tout simplement des radios dans iTunes. Bien sûr, dans iTunes, vous avez déjà les listes prédéfinies d'Apple, les différentes radios classées par thème, etc. Mais si, comme moi, cela ne vous convient pas, que vous ne trouvez pas de radio de Zouk qui vous convienne, que vous en avez marre d'utiliser la fonction Genius ou encore le mix de soirée inclus dans iTunes pour avoir une liste de lecture Zouk ou de notre registre musical que vous écoutez, vous pouvez tout simplement ajouter une radio dans iTunes. Donc la radio est un fichier M3U qui va venir s'ajouter dans iTunes comme le ferait un morceau tout simple. Donc vous copiez ainsi ce fichier M3U dans iTunes, un double clic dessus et hop, magique! Voilà, c'est tout. Donc concrètement, ce fichier M3U, vous le trouvez où? Vous avez un exemple avec le lien dessous. Vous pouvez taper aussi dans Google Radio Zouk Love ou Radio Country Américaine Bluegrass Banjo. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. C'est un fichier M3U tout simplement que vous téléchargez, que vous installez dedans. Si vous écoutez RMC, vous avez... Tu vas fermer ta gueule. C'était Steve qui s'emballe un petit peu. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce fichier M3U et toutes différentes radios pardon, vous proposent de le télécharger. La plupart étant des radios que vous avez sur Internet. RMC le propose, Virgin ne le fait pas, Europe 2 j'ai pas trouvé non plus, Europe 2 si Virgin je suis con. Voilà, ensuite comme actualité vous avez la petite vidéo d'en dessous qui ne sera hélas pas publiée sur le podcast. J'invite à ceux qui ne me visionnent que par le biais du podcast à venir faire un tour sur le site. La petite vidéo donc d'en dessous qui montre la montre LG, j'ai pas fait exprès, qui show you la montre LG qui fait téléphone mobile. Donc le principe est excessivement simple, vous avez donc une montre qui ressemble grosso modo à ça. Ici en bas vous avez une petite molette, grosso modo à ça, c'est pas vrai, ça c'est une Apple Remote, hein, vous l'aurez reconnu. Ici en bas vous avez tout simplement trois petits trucs pour défiler, la petite roulette bizarre. Donc vous défilez avec cette petite roulette et vous appuyez à droite par exemple pour faire un 3, au milieu pour faire un 2, à droite pour faire un 1. Vous descendez d'un cran, vous avez la ligne 4, 5, 6, vous descendez encore, vous avez la ligne 7, 8, 9, le dièse, le 0, etc. Pour faire entrer tout ça dans une montre, je trouve que c'est bien, la mise en place est bien, même si bon, ça vaut pas un téléphone tout court pour composer un numéro, vous risquez d'y passer pas mal de temps, mais l'innovation technologique mérite d'être saluée. Sinon, à part ceci, quoi d'autre? Pas grand chose. C'était Locan pour Locan.fr. Bonne soirée, ciao ciao!